Bienvenue à Tanalor. Ah. C'est magnifique. Oh. Rappelle-moi de nommer moi-même le prochain monde qu'on découvre. Tu t'y habitueras. Tu ne m'aimais pas trop non plus au début. Je peux encore changer d'avis. C'est difficile de croire qu'un tel paradis se cachait juste de l'autre côté de l'abysse. Viens avec moi. Je veux te montrer quelque chose. Le célèbre chevalier Jedi Dagan Gera se propose d'être mon guide dans un monde encore inconnu. Comment pourrais-je refuser ? Sans ton aide, je ne serais jamais arrivé ici en un seul morceau. Oh, fais attention. Ou on pourrait croire que tu es devenu humble. La force est puissante ici. Je te l'avais dit. Nous allons construire le temple ici. Oui. C'est aussi ce que je pensais. C'est vraiment magnifique. Oui, c'est parfait. J'ai parcouru la galaxie Santari. Et il y a de nombreux mondes que la lumière des Jedi n'atteint pas. Je vais demander au Haut Conseil d'entraîner les initiés ici. Sur Tanalor ? Mais elle est très difficile d'accès. Et s'il y avait un problème ? Notre temple sera un bastion pour l'ordre. Ici, à la frontière galactique. L'abysse bloque les communications. Nous devrons inviter un membre du Conseil Jedi à venir en personne. Ils sont à l'intérieur depuis des heures. Les membres du Conseil ne sont pas réputés pour leur jugement hâtif. Surtout Maître Rancis. Mon duel avec le Jedi n'a pas pris si longtemps. Et pourtant, tu as gagné. Sois patient. Tu sais bien que ce n'est pas mon fort. Eh bien, tu devras apprendre si tu dois enseigner aux novices. J'ai foi en toi. Et le Conseil aussi. Aie confiance en leurs décisions. Qu'est-ce qu'il y a ? Préviens les autres. On nous attaque. Tu n'es pas là. Tu ne devrais pas être ici.
Libère-moi. S'il te plaît. Je t'ai vu. Moi, c'est Cal. Cal Kestis. Et tu dois être Dagan Gera? Oui, c'est moi. Tu es un Jedi? Oui. Mais les choses ont changé depuis ton départ. Un seigneur Sith a corrompu la République. Il en a fait son empire. Ils ont détruit l'ordre. Et ils traquent ceux d'entre nous qui ont survécu. Mais... tu es libre. On peut les affronter. Ensemble. Je dois retourner à Tanalore. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as atterri ici? On nous a envahis. Je les ai retenus aussi longtemps que j'ai pu, mais... ils étaient trop nombreux. La bataille fut terrible. Et nous n'étions pas vaincus. Pas encore. Jusqu'à ce que le Conseil Jedi donne l'ordre d'abandonner Tanalore et refuse de mener la contre-attaque. Ils ont renoncé? Oui. C'était ma découverte! Mon foyer, et ils voulaient que je fasse une croix dessus! Dagan, attends. J'ai dit non, et j'ai été trahi par celle en qui j'avais une confiance totale! Non, arrête! Qu'est-ce que t'as fait? Tu gaspilles ton énergie. Pourquoi résister? Tu pars de blessure. Tu es désespéré? Tu n'as plus de tour dans ton sac. Ah.
te battre. Abandonner Tanalore. Quelle corvée. Affronte-moi. Jamais en prison. Tu oses me tenir tête. Arrête ! Je ne suis pas ton ennemi. Il ne reste plus que nous. T'es arrivé. Révis. Je me doutais que tu ne me laisserais pas partir comme ça. Attends! De Tanalore. Est-ce que Kree parlait de Dagan? Comment elle aurait pu confier Tanalore à quelqu'un comme lui? Là, j'ai besoin de ton aide. Tanalore était censée nous rapprocher, mais elle n'a fait que diviser notre ordre.
Le Conseil t'a peut-être abandonné, mais je sais qui tu es vraiment, Dagan. Même si tu l'as toi-même oublié. Elle avait tellement foi en lui. Au moins, elle ne l'aura pas vu tomber du côté obscur. Sympa la vue, hein, mon pote? Je me demande si Grise et Baud ont réparé le Mantis. C'est sympa, tu trouves pas, BD? On s'arrête un instant. Vous êtes nouveau ici, hein? C'est ça. Alors, il y a un endroit que vous devriez aller voir. Il y a un type, un passionné de pêche. Il navigue au pied de la montagne. Il est vers un camp impérial. Vous pouvez vérifier s'il va bien? Oui, pas de souci. Merci beaucoup.
On peut pas remonter ce cours d'eau. Pas sans aide. Hé, regarde ça. Tanalor existe. Et c'est peut-être le dernier recoin de cette galaxie encore à l'abri de l'Empire. J'aurais aimé que tu la voies aussi, BD. Je crois qu'on vient de trouver le moyen de sortir d'ici. Doucement. Nous ne te voulons aucun mal. Allez. Encore de la priorité. Je me demande combien on peut en tirer chez Doma. C'est parti! Je suis sûr qu'on peut passer ce portail avec un peu d'aide de notre nouvel ami.
char des sables. Tu sais ce que ça veut dire? C'est qu'il y a des Jawas pas loin. Tu connais Kobo comme ta poche, hein? Allons faire un tour, BD. Les voilà. Allez. Tu peux le faire. Je dois vider mon esprit.
possiblement de retour. Allez, BD. Rejoignons-les sur l'aire d'atterrissage. Prêt, BD ? Ces bâtiments sont anciens, plus que tout ce qu'on a pu voir sur Kobo. Un éclat. On pourra le vendre chez Doma. Thank you.
peine. Cette porte ne résisterait pas face à une mine. Mais où est-ce qu'on va en trouver dans le coin ? Oh, et c'est vous qui avez fait ça? Attendez, c'est... Non! Bédé, par ici. Ansel.
Et viens sur nous. C'est comme ça que je meurs. Alors qu'il en soit ainsi. Sans mieux. On peut pas la pirater pour l'instant. La charge est allumée. Recule. Quoi? Rien. Mais je croyais que c'était de la bonne thermite. Zed, t'as l'air comme neuf. En effet, ce mixolote mécanique fait de vrais miracles. Je dois savoir, as-tu trouvé où était la clé de Tanalore ? C'est un peu compliqué. Mais on trouvera. Monk m'a raconté ce qui s'était passé pendant mon sommeil. Dire que l'ordre Jedi n'est plus, cela a dû être atroce pour toi. Nous avons tous deux traversé tant de choses, mais nous devons persévérer, Cal.
Après tout, que pouvons-nous faire d'autre? C'est vrai. On a de la place pour toi. Je vais rester ici. Mais si tu as besoin de mes conseils, tu me trouveras au saloon. J'ai de la chance de t'avoir rencontré, Cal Kestis. J'ai trouvé quelque chose. Et quoi donc? Un autre holocron? Un Jedi. De l'époque de la Haute République dans une cuve à Bacta. Dagan Gera. Je l'ai libéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a attaqué et s'est enfui avec les pierres du chaos. C'est lui qu'il recherchait. Il dit que les Jedi l'ont trahi. Et qu'il est passé du côté obscur. Ah, ça va, petit gars? Tanalor. C'est pas une légende. C'est quelque part dans l'abysse. Oh non, c'est impossible! L'abysse engloutit tous les vaisseaux qui s'en approchent! La République a trouvé un moyen de passer il y a plusieurs siècles. Ça explique leur complexe dans la forêt. Un havre caché que personne n'a réussi à atteindre pendant des siècles. Si tu découvrais comment franchir l'abysse, tu pourrais... disparaître. Complètement. Plus de pillards du chaos. Plus de chasseurs de primes. Plus d'empire galactique. Ah, c'est que des spéculations, mais j'avoue que ça ressemble à un endroit qui pourrait devenir un foyer. Oui. Ça se pourrait, oui. Enlève tes pieds de là. Bon, moi, je retourne à la cantina. Tu sais, Grise, on aurait besoin d'un vrai pilote. Non, je sais pas, je veux dire, tu t'en sors très bien tout seul. Enfin, tu pourrais nettoyer la fourrure de Potoli de temps en temps. Tu connais mieux le Mantis que nous. Mieux que personne. Oh, calme. Non, je regrette. Je suis trop vieux, c'est du passé maintenant. J'arrive à peine à tenir mes cartes. Je sais que les choses sont différentes aujourd'hui. Mais sans toi, je sais pas si j'y arriverai. C'est vraiment ce que tu penses? Oui. Bon, je peux éventuellement demander... à Monk de garder un œil sur le saloon. Les doigts dans le nez. Ouais. T'es avec nous? Mais il y aura pas beaucoup de crédit à la clé. Cal, une aubaine pareille, ça se représentera pas. Imagine, plus besoin de vivre dans la méfiance. Un lieu sûr pour nous. Et pour les êtres qui nous sont chers. Si quelqu'un connaît un monde Jedi perdu, c'est serré. Jedi! C'est pas trop tôt. Il était grand temps que tu lui rendes visite. Bon, très bien. Je vais nous faire des casse-croûtes avant de partir.